Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence Fava Multi. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la prise en charge du lymphœdème primaire en pédiatrie. Et c'est le professeur Isabelle Quéré et le docteur Sandrine Mestre qui viennent du CHU de Montpellier qui vont donc présenter ce soir. Donc, je vous laisse la parole, professeur Isabelle Quéré. Merci beaucoup. Donc, nous avons prévu, Sandrine et moi-même, d'intervenir en deux temps. Je commencerai donc sur une première partie diagnostique avec quelques considérations un peu plus générales sur la prise en charge des bébés en particulier. Et Sandrine interviendra ensuite sur des explorations et les principes plus globaux au-delà du bébé de prise en charge du lymphœdème de l'enfant. Juste en introduction, cette diapositive qui montre en fait que l'ensemble des professionnels qui traitent du lymphœdème n'ont quasiment jamais vu d'enfant avec un lymphœdème, la raison étant que le lymphœdème est une maladie rare. Et son expression chez l'enfant est également est encore plus rare. Et donc, il y a une dichotomie entre les professionnels qui sont formés pour la prise en charge du lymphœdème et qui souvent traitent des lymphœdèmes secondaires ou primaires, mais chez l'adulte, et le fait que il y a très peu de kinésithérapeutes ou de professionnels pédiatriques qui soient spécialisés dans le lymphœdème, d'où cette particularité. Complexe, cette particularité qui rend complexe à la fois le diagnostic et la prise en charge du lymphœdème de l'enfant. De façon très rapide, lorsque l'on parle de système lymphatique, il existe deux types de malformations. Les malformations kystiques, que vous avez ici sur la gauche, qui peuvent être qui sont souvent présentes à la naissance, notamment dans la région cervico-faciale et axillaire, qui peuvent être de gros kystes, comme vous le voyez là, qui vont en fait être traités à ce stade-là par une exérèse et souvent par sclérothérapie. Et puis, il y a les malformations où là, c'est le système lymphatique qui a perdu sa capacité de drainer la lymphe et qui va être responsable d'une insuffisance de drainage lymphatique et de l'apparition d'un lymphœdème, que vous avez ici avec un lymphœdème qui touche très souvent les extrémités et de façon unie ou bilatérale, comme vous pouvez le voir ici. Alors, la présentation initiale du lymphœdème chez l'enfant, elle est soit présente dès la naissance, c'est ce que l'on appelle le lymphœdème congénital, mais elle peut également être diagnostiquée in utero. C'est ce que je vais vous montrer sur la prochaine diapositive. Au-delà d'un an, selon la classification, il y a différentes catégories en fait de lymphœdème. On va dire que la classification la plus récente que l'on utilise pour les classifications cliniques considère qu'au-delà d'un an, le lymphœdème est dit tardif, ce qui l'oppose au lymphœdème congénital. Mais finalement, cela a peu d'incidence et d'un point de vue pratique pour la prise en charge. Nous considérons, nous, qu'il y a les lymphœdèmes congénitaux, puis les lymphœdèmes de la petite enfance, aux alentours de 5-6 ans, et la partie des lymphœdèmes qui apparaissent à l'adolescence ou plus tardivement dans la vie. Alors, le lymphœdème, il prédomine aux membres inférieurs, touchant soit les deux membres inférieurs, soit un seul, avec des présentations cliniques qui peuvent être variables. Il est beaucoup plus rare aux membres supérieurs. Et voyez que dans notre cohorte, il représente toujours aux alentours de 10% des lymphœdèmes que l'on peut voir. Mais il peut être beaucoup plus diffus, se manifestant soit de façon multisegmentaire continue ou non. Et il peut être généralisé, touchant l'ensemble du corps dans certains lymphœdèmes complexes. Ce que je vous disais ici, vous avez l'âge d'apparition du lymphœdème en fonction du sexe, et on voit que lorsque le lymphœdème est congénital, le lymphœdème va apparaître à la fois chez des garçons et chez des filles, et on voit par contre qu'il y a un effet probablement hormonal qui explique que chez la fille, on ait un âge d'apparition du lymphœdème qui soit beaucoup plus étalé dans le temps et centré en fait par l'apparition des cycles, donc
moment de l'adolescence. Alors, le lymphœdème in utero est un lymphœdème que l'on peut diagnostiquer par des outils échographiques, sachant que, bien évidemment, en fonction du type d'anomalie lymphatique que l'on va pouvoir identifier, ça permettra un diagnostic précoce et une prise en charge précoce, et qu'il n'y a pas de discussion d'interruption de grossesse lorsque l'lymphœdème est très localisé, comme on le voit ici sur la diapositive de gauche. Je vous ai mis une diapositive à droite où il y a quelquefois in utero des diagnostics de lymphœdème qui se font sur ce que l'on appelle des brides amniotiques, où là, il y a une sorte de bride qui vient enserrer la jambe et qui empêche la circulation de la lymphe. Et il s'agit en fait là d'un lymphœdème qui est secondaire à la bride et qui nécessitera une prise en charge chirurgicale et un traitement chirurgical de la bride pour faire disparaître le lymphœdème. Alors, les particularités cliniques du lymphœdème chez l'enfant. Chez l'enfant, il est localisé de façon préférentielle en termes de fréquence au niveau des membres inférieurs. Il y a très souvent une petite hydrocèle associée ou un œdème généralisé, ce que les parents décrivent très souvent, une impression d'œdème qui va disparaître dans les semaines qui suivent la naissance. Ce lymphœdème chez certains enfants peut disparaître pendant les premiers mois de vie, les premières années, mais il peut réapparaître plus tardivement ou se manifester de façon inconstante. Et il est vrai que quand il y a cet œdème à la naissance, on sera très attentif et s'il disparaît, à sa réapparition, notamment autour de l'adolescence. Alors, le lymphœdème peut, et ce n'est pas la présentation la plus fréquente, prendre le godet d'emblée chez l'enfant. Il est souvent plus élastique. Et comme vous le voyez sur cette petite vignette en bas que je vous ai mise, en fait, le diagnostic de lymphœdème chez un enfant qui a beaucoup de tissu adipeux, comme c'est une répartition normale chez l'enfant, le diagnostic de lymphœdème d'un point de vue clinique peut être difficile. Et on cédera assez facilement d'une échographie des tissus qui nous permettra de dire s'il y a ou pas de l'œdème. Et on surveillera également la croissance de l'enfant qui permettra, lorsqu'il n'y a pas une présentation clinique, notamment dans les lymphœdèmes généralisés, de dire ou pas si l'on confirme le diagnostic. Alors, pour l'enfant, se pose de façon récurrente la question de la compression à la marche, et j'y reviendrai. Ce qui est important surtout à ce stade-là, lorsque l'on reçoit un enfant avec un membre ou deux membres ou un œdème localisé, eh bien, c'est de poser le diagnostic et d'écarter tout ce qui n'est pas un lymphœdème. Et vous voyez qu'il y a en fait beaucoup de diagnostics, ce que nous appelons différentiels, c'est-à-dire qu'il faut véritablement reconnaître le lymphœdème et le différencier des autres hypertrophies, des autres affections qui donnent en fait une hypertrophie de membres. Alors, en termes de classification, les choses évoluent de façon relativement rapide et on voit que dans cette classification que nos collègues anglais ont mis à disposition, la classification des lymphœdèmes, notamment des lymphœdèmes de l'enfance, telle qu'elle était classée ici, avec un classement qui se faisait en Milroy ou Milroy-Lac en fonction du caractère d'un antécédent familial ou pas, on voit que toutes ces notions évoluent très rapidement. Et vous voyez qu'ici, sur la dernière mouture de cette classification, ces antécédents familiaux et surtout ont disparu, puisqu'il a été depuis décrit, et ça c'est la biologie moléculaire qui nous a permis de le savoir, des cas de lymphœdème de Milroy, et je vais y revenir, qui sont véritablement soit liés à une transmission familiale du gène, soit des cas de novo, c'est-à-dire que la mutation apparaît chez l'enfant qui est porteur du lymphœdème et n'existait pas chez les parents, d'où ce changement dans la classification. Donc, les connaissances évoluent très rapidement, mais elles ont connaître la mutation, l'identification de la mutation, notamment chez les enfants. Et là, je reprends l'exemple du lymphœdème de Milroy, qui est donc un lymphœdème qui est présent dès la naissance, qui atteint les deux membres inférieurs. Et vous avez ici
la photographie de l'œdème au niveau du pied chez un bébé dans la publication clinique Princeps qui décrivait le premier groupe de 71 patients avec une mutation VEGF récepteur 3. Alors, à quoi ça sert de connaître la mutation? Eh bien, pour nous, ça nous permet d'abord de savoir quels sont les signes cliniques qu'il va falloir rechercher chez les enfants. Ça nous permet également de connaître l'histoire naturelle de façon beaucoup plus précise et de pouvoir donc informer la famille sur l'histoire naturelle et l'évolution de ce lymphœdème. Et pour la maladie de Milroy, c'est important. Lorsque l'on a une mutation sur le récepteur 3 du VEGF qui est pathogène, eh bien on sait que l'œdème va rester localisé sous les genoux, atteindre essentiellement les pieds et les jambes, ne s'étendra pas, ne sera pas associé à des complications systémiques et que le traitement va se focaliser sur le traitement de la zone œdémateuse. L'histoire familiale et par ailleurs, l'évolution, donc, comme je vous le disais, sera bonne. Et vous avez ici l'évolution chez un enfant qui a une maladie de Milroy avec cette visibilité de la veine qui n'est pas une varice, puisqu'il s'agit d'une veine rectiligne, mais qui est simplement trop visible parce qu'elle est localisée au-dessus du fascia où elle est normalement, au sein duquel elle est normalement située. Et c'est pour ça qu'elle est trop visible. Elle est un petit peu large et avec le temps, elle pourra se dilater. Donc, je vous l'ai dit, la prise en charge à partir du moment où on connaît véritablement la maladie va être centrée sur les points importants. Et pour le lymphœdème de Milroy, eh bien, on va s'attacher à prévenir l'apparition de papillomatose qui peut être relativement précoce chez 10 à 15% des enfants. Et puis, on va adapter la compression et adapter nos soins, en particulier aux difficultés liées aux dystrophies inguéales qui sont relativement fréquentes et qui peuvent se surinfecter chez ces enfants. De quoi va-t-on se servir? Eh bien, on va aussi se servir, comme cela avait été fait dans la publication initiale, l'application Princeps, qui a donné le nom de la maladie, donc l'éponyme maladie de Milroy. On va se servir aussi de l'histoire familiale qui en elle-même peut être informative et qui va permettre aussi de pouvoir déterminer le futur de l'évolution de ce lymphœdème. Alors, comment se servir des antécédents familiaux? Quand il y a des antécédents familiaux, le message est important pour nous parce que, bien sûr, on va essayer de recueillir ces antécédents familiaux et de s'en servir comme d'un outil d'information pour le pronostic au-delà du gène. Et c'est également important parce que pour vous, à partir du moment où dans votre famille, il y a d'autres lymphœdèmes, eh bien, c'est une bonne indication pour rechercher le gène, l'identifier et pouvoir ainsi prédire au sein d'une famille qui est porteur du gène et qui ne l'est pas et qui potentiellement peut donc être atteint par la maladie. Je profite de ce moment où je parle du lymphœdème de Milroy, qui est donc un lymphœdème congénital et donc dont la question de la prise en charge se pose dès la naissance, pour vous dire que se pose toujours la question de la compression. Faut-il utiliser une compression, et une compression adaptée dans ce cas-là, dès la naissance? À gauche, vous voyez ici qu'il existe des dispositifs pour les tout petits bébés que l'on peut adapter à la taille du pied du bébé. C'est bien. La difficulté est que le temps que vous ayez le matériel, vous mettez en place le matériel pendant quelques semaines ou quelques mois, l'enfant grandit et il faut recommencer. Donc, il y a des contraintes organisationnelles qui sont fortes et un coût certain lié à la fréquence de renouvellement. Il y a d'autres compressions qui sont possibles et de façon générale, dans le raisonnement, je pense que la question est finalement, lorsque l'on met en place une compression chez un bébé, quel est le bénéfice que l'on en retire? Quel est le bénéfice que l'on attend et quels en sont les inconvénients? Puisque c'est toujours sur cette base-là que l'on raisonne en fait la mise en place d'une compression. Si l'enfant n'a pas de déficit fonctionnel, si l'enfant n'a pas de douleur, si l'enfant n'est pas gêné dans son développement, s'il n'y a pas de complications, quel est le bénéfice à mettre une compression chez un enfant qui ne marche pas? Sur cette difficulté à identifier le bénéfice, sachant qu'il n'a jamais été montré qu'une compression aussi précoce avait un bénéfice sur l'évolution ultérieure,
nous a amené de façon internationale, y compris dans le PNDS qui a été rédigé en France et validé au niveau de Vastkern, à proposer en fait qu'il n'y ait d'indication qu'au cas par cas et que la notion de compression était souvent envisagée à partir du moment où l'enfant avait acquis l'as de la marche. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que la compression sera une compression à mettre pour la vie entière et qu'il faudra évidemment la proposer dans les moments où elle sera à la fois la plus efficace et pour laquelle surtout il y aura une perception de son efficacité. Je vais aborder de façon très rapide la question de la chirurgie puisque la question a déjà été posée. Je reste sur le lymphœdème de Milroy, donc ce lymphœdème congénital des deux membres inférieurs, pour revenir un petit peu à la physiopathologie de la maladie. Lymphœdème de Milroy, c'est un lymphœdème qui cliniquement atteint les deux pieds, on va dire de façon simple, et les deux jambes sous le genou. Est-ce que pour autant, la maladie est localisée au niveau uniquement des membres inférieurs? Eh bien non, en fait, lorsque des travaux ont été réalisés il y a déjà une dizaine d'années, qui montraient en réalisant des biopsies chez des patients qui avaient un lymphœdème de Milroy avec une mutation sur le récepteur 3 du VEGF, qu'il y avait aussi une diminution du nombre des capillaires lymphatiques initiaux au niveau du bras. Donc en fait, cette diminution des capillaires lymphatiques initiaux, donc les tout petits capillaires qui drainent la lymphe, eh bien ces capillaires sont anormaux sur l'ensemble du corps et ne sont d'un point de vue fonctionnel pathologique qu'au niveau des membres inférieurs, probablement du fait de la pression hydrostatique et la nécessité d'une efficacité plus forte du drainage pour les membres inférieurs puisqu'il faut aller contre la pression hydrostatique. Cela veut dire quoi? Avec donc, ce que je vous disais, le fait qu'il y avait une défaillance qui était une défaillance toute initiale. Si la défaillance du système lymphatique est toute initiale, elle est localisée à chaque étape au niveau des capillaires lymphatiques, la question de réaliser un transfert ganglionnaire ou même une anastomose lymphoveineuse, d'un point de vue de la physiopathologique, peut ne pas faire sens. Un transfert ganglionnaire est un transfert que l'on réalise pour pallier un défaut, une diminution du nombre de ganglions. Il existe effectivement des lymphœdèmes où il y a des diminutions du nombre de ganglions, mais ce n'est pas systématiquement la règle. Et le transfert ganglionnaire a cette vocation à venir remettre des ganglions là où il n'y en a pas. Et les anastomoses lymphoveineuses ont comme objectif de faire un pontage et de passer un obstacle. Lorsque le lymphœdème est lié à une dysfonction des capillaires lymphatiques dès le départ, intervenir sur les troncs de drainage ou sur les ganglions n'a pas de sens en termes de physiopathologie et donc ne peut pas s'accompagner d'une amélioration, surtout quand la lymphoscintigraphie est blanche. Donc le message que je voudrais transmettre là, c'est que bien évidemment chacun se posera la question de la réalisation d'une chirurgie et du plus que cela peut amener dans la prise en charge, mais cela ne peut se réfléchir qu'à partir du moment où on a une parfaite connaissance du mécanisme du lymphœdème derrière. Et il faut donc que toutes les explorations soient réalisées et qu'on soit capable, avant d'indiquer une éventuelle chirurgie, que je recommande peu chez l'enfant, de la poser et d'envisager la technique en fonction de ce qui se passe. Si on vient maintenant au lymphœdème de l'adolescent, et là je serai très rapide, le lymphœdème de l'adolescent est en fait plus un syndrome qu'une véritable maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que les connaissances actuelles montrent en fait qu'il y a beaucoup de mutations qui sont à l'origine de ces lymphœdèmes et qui vont apparaître sous l'effet des modifications hormonales à la puberté. Il s'agit donc de plusieurs lymphœdèmes, celui que nous connaissons de façon le plus fréquente est probablement le lymphœdème de l'avant-pied qui apparaît chez la jeune fille, puisque là, il y a une très nette prédisposition familiale. D'un point de vue global, d'autres lymphœdèmes peuvent apparaître à l'adolescence. Et là, en termes de diagnostic, c'est en fait l'examen clinique qui permettra, et ici, je vous montre un cas clinique de lymphœdème FOXC2,
où un papa était venu me consulter pour une avalvulation de son système veineux, c'est-à-dire qu'il y avait une insuffisance veineuse et pas du tout une insuffisance lymphatique initiale. J'avais été interpellée par l'aspect de l'avant-pied, l'existence d'un signe de Stemmer et une syndactylie. Et en interrogeant des antécédents familiaux, les deux enfants avaient eu pour l'un une fente palatine et l'autre un ptosis congénital, et en reprenant le phénotype lymphatique, eh bien en fait, il existait bien une insuffisance lymphatique chez les trois enfants et un dyschisiasis associé. Donc, voyez là que l'on peut tout à fait, sur les signes associés, en fait, arriver au diagnostic final et à la prise en charge. Et ça, c'est un message important aussi pour l'ensemble des professionnels qui travaillent dans le lymphœdème et qui voient des enfants avec lymphœdème. Il ne faut pas oublier que le lymphœdème est soit isolé, soit y compris dans les lymphœdèmes les plus classiquement lymphatiques, entre guillemets, associés à d'autres anomalies d'organes, et en particulier très fréquemment des anomalies cardiaques ou des anomalies osseuses qu'il faut absolument savoir rechercher. Les infections ne sont pas rares chez l'enfant, c'est une donnée que l'on avait publiée il y a quelques années, avec ici une courbe d'incidence qui montrait une augmentation régulière cumulative avec environ 4 épisodes par an et pour 100 personnes des érysipèles. Et donc, la prévention est importante dans la prise en charge. Je finirai mon propos par deux éléments importants qui ouvrent à des options thérapeutiques particulière. Le premier s'agit de certaines, dans un premier cas, il s'agit de certaines malformations lymphatiques et certains lymphœdèmes, comme vous le voyez ici sur la photographie de droite, où l'on voit effectivement qu'il y a un lymphœdème et que ce lymphœdème peut être associé à l'utilisation de certains traitements qui vont diminuer l'hyperactivité qui est consécutive à la mutation responsable de cette malformation complexe dans laquelle il y a une partie de malformation lymphatique, un lymphœdème, mais également une malformation vasculaire et une augmentation des tissus osseux et des tissus mous. De la même façon, sur la gauche, ces traitements ont la capacité d'arrêter les saignements et les écoulements que l'on voit à partir de ces malformations. Et effectivement, dans ces malformations complexes qui ont une part lymphatique, qui est souvent hypoplasique associée à des malformations lymphatiques kystiques, des options thérapeutiques comme le sirolimus sont tout à fait possibles et ont des résultats cliniques intéressants. Autre domaine dans lequel il y a également une innovation thérapeutique qui arrive, ce sont l'identification des rhizopathies au sein desquelles il a été possible, lorsque les systèmes lymphatiques sont très, très hyperplasiques, comme on le voit ici sur ces lympho-IRM, il est possible d'inhiber une hyperactivité de la voie MAP kinase en utilisant des inhibiteurs spécifiques de ces gènes qui sont en hyperactivité. Ces données sont des données tout à fait récentes, sont des données qui posent la question de l'utilisation de ces molécules, qui sont des molécules que l'on utilise habituellement en oncologie. Et donc, on a un bénéfice thérapeutique et nous manquons à ce stade de recul pour savoir quels sont les effets à plus long terme. Mais évidemment, lorsque les lymphatiques sont, comme dans c'est présenté ici, très hyperplasiques avec des reflux et qu'il y a un bénéfice clinique, le bénéfice immédiat est bien sûr important. Et je vais passer la parole maintenant au docteur Sandrine Mestre pour la suite du propos. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite. Donc, vous avez parlé de diagnostic clinique pour les enfants. Donc, vous avez vu l'importance de l'interrogatoire, de reprendre l'histoire familiale, l'histoire de la maladie pour bien caractériser le lymphœdème. Car vous avez pu voir le phénotype, l'expression clinique des lymphœdèmes est très variable. L'histoire de chaque patient peut être très différente. Et nous, notre objectif, c'est d'être le plus précis possible pour être dans un diagnostic vraiment, une prise en charge qui soit personnalisée. Pour la prise en charge de nos enfants, il n'y a pas besoin, le diagnostic clinique suffit dans un premier temps.
surtout s'ils sont petits, mais on pourra compléter ultérieurement par des explorations quand ils seront en âge de pouvoir réaliser celles-ci. L'intérêt de ces explorations, donc comme je vous l'ai dit, le diagnostic est clinique, mais ces explorations vont nous permettre d'affiner encore le diagnostic et de pouvoir aller dans ce diagnostic et cette prise en charge personnalisée parce qu'on aura mieux caractérisé le type de lymphœdème qu'aura votre enfant. Donc, une lymphoscintigraphie permettra de visualiser notamment le drainage dynamique des voies lymphatiques. Là, vous avez une lymphoscintigraphie, en fait, pardon, hop, qui va ici sur la gauche, qui est normale, avec les deux points d'injection qui en face antérieure, sur le dos du pied, entre le premier et le deuxième orteil, en fait, qui va être drainé, en fait, le produit va être drainé par les voies antérieures qui longent les veines, les grandes veines saphènes qui sont à l'intérieur des jambes. Et ici, vous êtes au niveau du bassin, c'est les ganglions du bassin qui vont drainer la voie lymphatique antérieure. Donc, cette lymphoscintigraphie montre un drainage normal. Un jeune patient qui aurait une maladie de type Milroy avec une hypoplasie ou une aplasie lymphatique, quand vous injectez le produit, vous n'avez pas de drainage qui apparaît et vous ne voyez pas les ganglions. Alors, le phénotype peut être très variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques ganglions qui apparaissent de façon diverse, mais là, c'est une scintigraphie comme nous on appelle blanche, où on ne voit rien du tout. Il y a d'autres voies de drainage, probablement postérieures, latérales, mais cette voie-là ne fonctionne pas. C'est caractéristique de ce type de pathologie-là. Pour le FOXC2 qui était dans les diaporamas de Mme Quéré, l'insuffisance veineuse associée à l'insuffisance lymphatique, en fait, on voit qu'ici, quand on injecte au niveau entre les deux orteils des deux pieds, on va avoir un drainage qui apparaît, mais un drainage qui se fait difficilement. Et puis surtout ici, cet aspect en chaussette, qui est en fait un passage du marqueur au niveau dermique, c'est-à-dire sous la peau, et qui va, en fait, parce qu'il stagne, il n'arrive pas à trouver les bonnes voies de drainage assez rapides, il va aller sur d'autres voies de drainage pour être drainé, mais du coup, on voit cette stase qui apparaît en chaussette. Cela montre l'insuffisance de drainage typique dans ces cas-là. On peut le retrouver dans d'autres anomalies lymphatiques, et on voit également le nombre de ganglions. Donc, cette lymphoscintigraphie permettra d'explorer. On n'est pas pressé pour la faire, il n'y a pas d'urgence, il faut que l'enfant soit coopérant, il faut qu'il soit en âge de pouvoir participer à cet examen qui va durer 4 heures. Donc en général, nous, on va les faire vers 8-12 ans pour certains enfants. Si on trouve que 8 ans, c'est trop tôt, on va s'adapter à chacun. Par rapport aux veines, comme vous avez pu voir sur les photos précédentes, on peut être amené également à faire un échodoppler veineux pour aller voir la position de la veine et vérifier si elle est continente ou pas et rechercher une insuffisance veineuse associée. On peut également compléter par une IRM temps lymphatique, qui était une IRM spécifique au niveau lymphatique. C'est une IRM qui, la IRM va nous donner des informations du point de vue morphologique. C'est-à-dire, alors là, vous avez une IRM avec un bassin d'un patient adulte. C'était pour vous montrer. Donc ici, vous avez un tissu lymphatique. Alors, de l'autre côté, ce n'est pas, on va dire, complètement, c'est normal, on va dire, avec un tissu ganglionnaire qui paraît à peu près, lymphatique qui paraît à peu près bien en place. Et puis ici, vous voyez que c'est très développé. On pourrait dire hyperplasique. On préfère le terme de dense. Dense avec même ici carrément des kystes lymphatiques, des macrokystes lymphatiques. Donc, c'est ce patient-là, pardon, adulte, on s'est retrouvé, quand on a fait l'IRM, à avoir des anomalies, deux types d'anomalies sur le tissu lymphatique avec une densité importante et aussi une anomalie de type kystique. Donc, ça, c'est important quand on peut le faire également. On ne les fait pas trop tôt, à partir de 8 ans, parce que voilà, l'enfant doit être calme, il doit pouvoir participer à l'examen. On n'ira pas faire une anesthésie générale dans des cas où il n'y a pas d'urgence dans la prise en charge, ce qui est rare plutôt en lymphologie. On peut également voir ici en coupe transversale, ici c'est la cuisse, vous êtes au niveau d'une cuisse, ici c'est la cuisse malade où il y a le lymphœdème, ici la cuisse où il n'y a pas de lymphœdème. On voit en fait ici il y a l'os de la cuisse, hein, le fémur. Vous voyez qu'ici la peau est épaissie, vous voyez que l'enveloppe qui est tout autour est plus épaisse que de l'autre côté, ça c'est un signe caractéristique lié aux problématiques lymphatiques. Et puis on voit un aspect un petit peu en rayon de miel ici sous la peau et surtout l'épaississement en fait, hein, de cette zone qui est beaucoup plus large que celle-ci en contrôle latéral. Ces signes-là, on peut les retrouver aussi bien en scanner qu'en IRM. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aller pour faire pour compléter l'exploration et être le plus précis possible dans la description de nos patients et adapter la thérapeutique derrière. Donc, les objectifs de la prise en charge en lymphologie, une fois que le diagnostic est posé, on est sur un traitement d'une maladie chronique rare. Il n'y a pas de traitement curateur.
On va adapter le traitement à l'histoire naturelle. On va observer les enfants, on prend le temps, on s'adapte à chaque situation, on les reverra régulièrement. En général, dans un premier temps, ça peut être dans la première année tous les 6 mois, puis après, on peut les voir tous les ans, parce qu'il y a aussi la distance, mais on sait très bien que voilà, il faut le temps, on est là, on est disponible s'il y a des événements intercurrents entre les 2 visites, mais on a le temps de les voir et d'observer notamment pendant la phase de croissance. Il est important que suivi soit maintenu au long cours jusqu'à ce qu'on sorte de cette zone de croissance. On va prendre en compte toute la sphère médico-psychosociale de l'enfant et de la famille dans la gestion du traitement. Il faudra s'adapter à chacun. Pour certains, ça sera plus simple de prendre en charge des orteils, notamment, et faire des bandages si nécessaire. Pour d'autres, ça sera plus complexe. Donc, il y a un vrai accompagnement à faire pour les familles dans ce cas-là. Le traitement médical, on va l'adapter. Donc oui, il faut contrôler l'augmentation de volume et prévenir la différenciation, c'est-à-dire l'apparition de troubles d'anomalies tissulaires, mais il va falloir s'adapter. Parce que les mêmes principes de base, on a envie d'adapter les principes de l'adulte, mais pour les enfants, c'est plus compliqué, notamment les bébés. Vous avez vu tout à l'heure les modèles, les exemples de compression disponibles, ce n'est pas simple, il y a un risque de garrot, ça peut gêner aux apprentissages, ça peut gêner à la marche, et puis les enfants grandissent très vite, et le temps qu'on reçoive en effet le matériel, des fois il est temps de passer à un autre, et ça a un coût non négligeable. Donc on va s'adapter un petit peu, il y a le chaussage est hyper important, et le chaussage peut aussi contenir de son côté l'œdème, et fait déjà aussi le travail, on va dire, quand on a un œdème qui reste bien limité au niveau du pied. Pour nous, l'élément, on va dire, en premier lieu, le principal, ça va être vraiment prévenir les complications infectieuses, tout ce qui est risque mycotique et bactérien, en faisant des soins de peau réguliers, et puis en faisant attention aux blessures, en coupant bien les ongles. On va favoriser pour ça l'autogestion et on va faire de l'éducation thérapeutique pour nos enfants. Donc, pour synthétiser un petit peu les prises en charge que l'on peut faire ici sur le centre, pour des enfants à peu près de la naissance jusqu'à l'âge de 6-8 ans, l'algorithme qui est là vous donne un peu notre prise en charge. Donc, on va voir. Alors, on peut voir des enfants de tout âge. Hein. On peut les voir des fois, ils ont déjà une quinzaine de jours de vie parce que c'est important voilà, de faire le point avec les parents, de leur donner des informations sur l'évolution et sur les risques qu'ils peuvent y avoir et les précautions à prendre. On ne va pas traiter l'œdème. On va s'adapter et on va l'accompagner. Donc, d'abord, la consultation pour le diagnostic, comme vous l'a dit le professeur Quéré. On va évaluer au niveau médical, nous, en centre de référence. Et une fois que le diagnostic de lymphœdème est posé, on va mettre en place une éducation thérapeutique parce que la priorité, ce sont les soins de peau, le soin des ongles, gérer les plaies, gérer le risque de surinfection, donc bien nettoyer, désinfecter. Il faut aussi donner les bonnes informations. Il n'y a pas de contre-indication à la pratique du sport, donc ne pas limiter son enfant dans des envies particulières. Il va lui-même constater les situations ou les activités où il sera peut-être le plus à l'aise, mais il n'y a pas de limitation particulière du point de vue du lymphœdème. Et puis, s'il y a besoin de drainage, parce que ça peut arriver, c'est la petite étoile notamment qui est là, parce que s'il y a de la papillomatose, comme vous avez pu le voir sur les précédents diaporamas, s'il y a de l'hyperkératose, c'est-à-dire que la peau est épaissie, voire sèche, un peu comme un durillon au niveau des orteils ou sur le dos du pied, eh bien, il va falloir travailler la peau parce que l'objectif, c'est d'avoir une peau de la meilleure qualité possible pour le confort des patients et pour éviter les complications. Donc, on va apprendre aux parents à bien hydrater la peau le soir, à masser. Ça peut être les parents qui massent, pas forcément les kinés, parce que quand ils sont tout petits, ce n'est pas simple d'aller faire des soins avec les kinés dans des cabinets. Et puis, apprendre aussi le bandage des orteils au cas par cas, bien sûr. Mais ça peut être cette première prise en charge quand il y a des anomalies au niveau des orteils. Et puis, donc, ce que je vous avais dit, on va mettre en place le suivi annuel et rechercher les signes associés. On va accompagner l'enfant tout le long de sa croissance et vérifier qu'il n'y ait rien d'autre associé, puisque une majorité des lymphœdèmes sont des lymphœdèmes isolés, mais il y a aussi des lymphœdèmes associés à des formes syndromiques et on va pister la moindre information pour un éventuel syndrome. L'analyse génétique, on peut la faire à partir du moment où on pose le diagnostic de lymphœdème. Et là aussi, la limitation va être l'âge, on va dire. Il y a des enfants, quand ils sont tout petits, potelés, c'est compliqué. Comme ça, c'est encore des bébés. Mais à partir de l'âge de 2-3 ans, on peut déjà faire sans souci le bilan avec l'équipe d'infirmières que l'on a, nous, dans le service, qui ont l'habitude aussi de prendre en charge les enfants. Et puis surtout, nous, dans notre suivi, il y a aussi la possibilité, j'en parlerai plus loin, des journées annuelles de prise en charge du lymphœdème que l'on réalise dans le service, qui permet une prise en charge pluridisciplinaire et en collectif, qui amène beaucoup à nos patients.
pour les enfants à partir de 6-8 ans, on est un peu sur le même principe. Hein, donc ils vont consulter pour un œdème, pour un lymphœdème. On va les faire une évaluation dans le centre. On va poser le diagnostic de lymphœdème. On va mettre en place cette éducation thérapeutique. En fonction de l'âge, l'enfant peut être aussi acteur de sa prise en charge parce qu'à partir de 10 ans, les enfants prennent la main aussi. Ils se connaissent, ils savent ce qu'il faut faire. On leur indique en effet qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique du sport. Au contraire, il faut qu'ils en aient. Il faut qu'ils comprennent aussi la gestion du poids qui est importante pour le reste de la croissance et puis l'âge adulte. Et puis, en fonction des besoins, au cas par cas, on va apprendre à faire le drainage aux parents ou même à l'enfant quand c'est un ado et aussi à apprendre le bandage des orteils. Donc, il y aura un suivi annuel jusqu'à la fin de la croissance au moins. Puis après, on adaptera à l'âge adulte avec la possibilité de participer aux journées annuelles, bien sûr. Et puis, à partir de comme je vous ai dit, à partir de 8 ans, en fonction des capacités de l'enfant, on pourra faire la lymphocytie et l'IRM lymphatique pour compléter les explorations. Donc, la prise en charge, elle est essentiellement en ambulatoire. Elle ne se fait pas en traitement intensif. Et du fait aussi de la composition de l'œdème. Madame Kéré disait, l'œdème est très élastique chez l'enfant, il est complexe à traiter, il est très rebondi, donc il faut l'accompagner, il faut prévenir les problèmes cutanés, mais on va attendre les changements tissulaires, parce qu'il va y avoir des changements tissulaires, et des fois un œdème qui sera beaucoup plus facile à travailler un peu plus tardivement, parce qu'un traitement intensif chez les tout-petits ne va pas nous permettre de faire perdre beaucoup de volume à nos patients. Là, vous avez l'exemple d'un jeune adolescent de 15 ans qui avait pris du volume de façon assez importante sur sa jambe gauche. Il a un lymphœdème qui est là depuis 3 ans, qui prend toute la jambe. Donc, on l'a pris 5 jours en traitement intensif. Là, c'était le premier jour du traitement intensif. Alors après, sur les photos, c'est pas forcément tout le temps visible, mais on voit que la cuisse est affinée, le mollet est mieux dessiné. Et au final, quand on calcule les volumétries, ce patient, il a perdu 600 ml en 5 jours. Et puis surtout, on l'a remotivé, en fait, pour la prise en charge, parce que des fois, on en a un peu marre de prendre en charge son lymphœdème au quotidien. Et donc là, on a pu mettre en place les compressions adaptées avec un bas rectiligne. Donc, il y a une couture à l'arrière. C'est un vrai bas sur mesure adapté à la morphologie en classe 3. Et il a même une chaussette en dessous, on ne le voit pas, mais un bas jarret en dessous pour avoir une classe 3 plus marquée sur le mollet parce qu'on veut vraiment travailler le mollet au quotidien. Donc ça, ce sont des cas exceptionnels, c'est vraiment au cas par cas. Et au final, dans l'année, on a très peu d'ados qui viennent dans le service pour un traitement intensif d'une semaine. Par contre, on a beaucoup de séances d'éducation thérapeutique lors des journées des enfants ou lors de soins ponctuels parce que les familles sont là en consultation et on va leur apprendre à faire les bandages eux-mêmes. Donc là, vous avez pareil un ado de 12 ans qui apprend à faire un bandage pour la nuit avec l'équipe de l'info. Donc, la journée des enfants, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Alors, on a fait des journées pour les 6-18 ans, les enfants porteurs de lymphœdème primaire. Elles existent depuis 2008 dans le service, en partenariat avec l'association AVML, avec un groupe fondateur initialement. Et puis, chaque année, des nouveaux patients. Alors, nos patients de 2008 ont bien grandi et ont quitté le groupe maintenant. Mais voilà, les nouveaux groupes se mettent en place. Ça permet aux enfants, en fait, de discuter entre eux, d'échanger entre eux. Ça permet aux parents d'échanger entre eux. C'est vraiment très enrichissant, aussi bien pour les familles que pour les soignants. On a des journées dédiées, pluridisciplinaires, très médicales, où on va essayer d'amener toutes les réponses dermatologiques, rééducatives s'il y a des problèmes de scoliose ou d'anomalies de voûte plantaire, s'il faut une semelle, de problèmes dermatologiques, je vous l'ai dit, la compression. On va vraiment essayer de tout gérer sur leur passage. Et puis, il y a des échanges avec les patients, la famille, l'association. Et on a même une journée off. Alors, ça, c'était avant Covid, mais là, on espère bien qu'année prochaine, ça sera le cas aussi, l'association organise une activité plein air où là, on se retrouve en dehors du contexte médical et on échange. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien pour les familles. Donc, il y a eu une période d'arrêt, une année d'arrêt à cause de Covid. Et puis, l'année dernière, on a fait un mix entre du présentiel cette année, pardon, présentiel pour ceux qui pouvaient, et puis du distanciel pour ceux qui étaient trop loin. Donc, l'année prochaine, on espère reprendre. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc, depuis 2008, on est dans le service et on fait ces journées. En 2012, on avait fait un camp à Montpellier. On en a fait un deuxième en 2017 en Italie. Donc, en 2020, malheureusement, on n'avait pas pu. Et puis cette année, grâce à la motivation de l'équipe et notamment aussi à la mise en place des web ateliers, on a pu à nouveau échanger de façon avec les familles, même les plus éloignées, malgré la crise. Donc ça, c'est pour vous montrer. Alors là, c'était le camp en Italie.
mais vous montrer ce qu'on peut. Alors là, c'était une activité éducation thérapeutique, autobandage, mais il y a aussi des activités type accrobranche, piscine, voilà, il y a de tout dans les journées qui se déroulent, et ça permet vraiment les échanges. Et il n'y avait même pas de barrière de langue, j'allais dire, parce que même malgré le fait qu'on soit en Italie, on a pu échanger avec les familles italiennes presque sans souci, on se comprenait très bien. Pour vous montrer les travaux qui ont sorti de ce séjour-là, ici, vous avez en fait le retour d'une de nos patientes en fait, qui parlait pardon, de son lymphœdème au quotidien. Ce qu'elle disait, elle aimait se faire masser quand elle allait chez le kiné, mais elle n'aimait pas mettre en place les bandages et surtout enrouler les bandes, parce qu'il fallait, ça prend du temps d'enrouler les bandes, et ça, c'est quelque chose qu'elle n'aimait pas. Vous verrez, il y a eu une publication de plusieurs articles dans Lymphatic Research and Biology suite à ce camp qui analyse finement tous ces retours médico-sociaux, ces aspects-là. Avec, notamment, on avait demandé aux enfants de dessiner leur lymphœdème. Et là, par exemple, même s'il y a le lymphœdème, la petite fille nous disait qu'elle était, même si des fois c'était compliqué de mettre ses compressions, le jour du camp, elle était très heureuse d'être là. Et malgré son lymphœdème, elle était très heureuse. Donc, ces camps nous amènent beaucoup, permettent aussi aux familles de beaucoup échanger. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le lymphœdème, la prise en charge pour les enfants, elle est essentiellement ambulatoire. Le lymphœdème congénital, il s'améliore assez spontanément, il peut s'améliorer avec l'acquisition de la marche. Il faut laisser l'évolution de l'œdème, il faut le surveiller, il faut s'adapter à chaque enfant. La composante élastique de l'œdème dans l'enfance, ça complexifie le traitement. On aura du mal à être efficace sur la perte de volume. Il vaut mieux s'adapter et traiter au bon moment. Les compressions, en général, on les met vers 6, 8, voire plus en fonction de l'évolution. Mais 6, 8 ans, c'est déjà un âge où on met les compressions. Avant, on s'adapte plutôt avec des bandages et des soins ponctuels au cas par cas. Donc, la surveillance médicale, elle est primordiale, au moins jusqu'à la fin de la croissance et à l'âge adulte jeune, pour surveiller l'évolution et être sûr qu'on est sur un lymphœdème isolé. L'éducation thérapeutique, c'est la base, avec les risques infectieux, surveillance cutanée, bien couper les ongles, faire des autodrainages dans un premier temps par les parents, voir l'enfant quand il est ado, autobandage pour les extrémités, et puis le membre s'il y a besoin, comme vous avez pu voir sur les photos. Et puis la compression, on la mettra en fonction de l'évolution, au cas par cas, on a le temps. On va pas, c'est pas une perte de chance, il vaut mieux la mettre au bon moment que de la mettre trop tôt et qu'il y ait après un refus de la compression par l'enfant parce qu'il n'aura pas vu d'efficacité si on l'avait mis trop en avance. Donc, je vous remercie. Donc, l'équipe de l'info à Montpellier, voilà, ça, c'était pour citer tous nos collègues. Et puis, on avait, voilà, vous avez une grosse partie de l'équipe en photo. Merci pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, professeur Isabelle Quéré et docteur Sandrine Mestre, pour vos interventions. J'avais déjà reçu quelques questions, mais les participants qui sont là en direct peuvent les poser via l'outil questions-réponses. Une première que j'avais reçue, c'était comment annoncer et expliquer à son enfant qu'il a un lymphœdème. Sandrine, tu réponds? Pour les parents, le motif, c'est pas simple, on va dire, mais souvent, alors ce motif de consultation, les enfants sont déjà, alors ils peuvent être, si c'est en bas âge, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'échange possible, mais il y a une constatation d'une différence au moins sur d'une jambe ou un pied par rapport à l'autre. Donc, je pense qu'il faut au moins lui parler de la différence et de savoir faire attention à ce pied ou à cette jambe-là. Et puis, au moment où l'enfant sera en âge de pouvoir en discuter, lui expliquer simplement qu'il y a une différence de drainage ou il y a une caractérisation, il a une caractéristique spécifique qui fait que la jambe, le pied n'est pas correctement drainé. Et qu'il faut s'adapter et l'aider dans son drainage. Après, ce qu'il faut, c'est surtout voilà, bien indiquer qu'il n'y a pas de contre-indication et ne pas les limiter dans la pratique, notamment quand ils jouent dehors avec les petits voisins ou à l'école.
qui puissent faire leurs activités et qui se développent sans se soucier. Souvent, c'est plus simple pour les enfants parce qu'ils sont déjà porteurs et ils jouent, ils font avec, alors que les adultes qui ont l'infodème qui apparaît, il y a un temps d'adaptation et souvent, on a du mal à passer à la période avec. Et puis, on peut nous-mêmes accompagner et donner des informations, y compris à l'enfant pendant le temps de consultation aussi. Je pense qu'il est effectivement important que l'enfant soit associé et qu'il puisse parler de sa jambe et que nous puissions en parler également de façon la plus naturelle qu'il soit, et ce, dès le départ. J'avais reçu une autre question sur la chirurgie. Qui était de savoir si on propose une chirurgie de transplantation ganglionnaire abdominale vers inguinale ou une lymphoveineuse lymphatique d'office chez un enfant souffrant d'un lymphodème génital. Et dans quelle situation est-ce indiqué ou contre-indiqué? Alors, dans le lymphodème des organes génitaux, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, la chirurgie n'est pas la première option thérapeutique, surtout celle qui est envisagée ici, qui est une chirurgie en fait qui tente de réparer le système lymphatique en apportant des ganglions ou en essayant de passer un obstacle en faisant une dérivation lymphoveineuse. Donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, que ce soit une localisation sur les membres ou que ce soit sur les organes génitaux, l'étape numéro un est de bien connaître en fait le mécanisme qui est responsable du lymphodème. Est-ce que c'est une hypoplasie? Est-ce que, comme on vous l'a montré tout à l'heure, il y a des macroquistes et des reflux lymphatiques massifs? C'est cette connaissance-là qui va guider une éventuelle prise en charge chirurgicale. Mais à nouveau, la réparation, une réparation aussi spécifique que cela, est rarement possible, rarement complète. Et les indications chirurgicales les plus fréquentes dans le cas d'un lymphodème des organes génitaux, c'est lorsque le lymphodème échappe au traitement compressif, des chirurgies de réduction de la taille des bourses et des chirurgies péniennes. D'accord, merci. On a une question pour savoir s'il y avait des lieux de prise en charge en province ou si, lorsque les enfants sont diagnostiqués dès la naissance, ils sont orientés directement à Montpellier. Alors, il y a des centres de compétences, des centres de référence qui prennent en charge les enfants, y compris en province. Ces informations en fait sont disponibles au sein des documents de la filière FAVA Multi. Tous ces centres sont listés avec une précision sur la prise en charge ou non des enfants avec lymphodème. Après, est-ce que les enfants sont orientés directement à Montpellier? Cela dépend essentiellement du médecin, du pédiatre qui va voir l'enfant. Il est vrai qu'un certain nombre d'enfants nous sont référés à Montpellier lorsqu'ils sont à lymphodème à la naissance, dans les années qui suivent. Une autre question qui m'avait été posée, c'est lorsque un parent a un lymphodème sur lequel on a déjà fait un test génétique, est-ce que ces enfants doivent être testés aussi? Alors, est-ce que le parent a un test génétique qui montre une anomalie ou pas? Oui, je pense que oui, c'est la question. Je pense que oui. Alors oui, il vaut mieux tester les enfants également. De toute façon, c'est quelque chose que nous, on fait. Quand nos patients on retrouve une mutation, on va tester les parents au premier degré. Donc, ça peut être les enfants, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les parents, en fonction de l'âge de notre patient testé. Mais oui, après, il y a une trentaine de gènes connus à l'heure actuelle qui expliquent 30% des lymphodèmes. Donc, il y a 70% des lymphodèmes pour lesquels on n'a pas encore
de réponses. On a quand même beaucoup, on a beaucoup gagné, enfin, beaucoup évolué, puisque en 20 ans, on a trouvé ces 31 mutations. Le premier gène, c'était en 2000. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en dehors de la mutation, il y a aussi le côté clinique, c'est-à-dire que ça peut, tous les patients de la même famille n'auront pas forcément la même forme. Et donc ça rentre aussi en jeu, ce qu'on appelle la pénétrance n'est pas forcément la même. Et le tableau peut être variable. Après, il faut voir le patient qui était positif, quel type de lymphodème il avait et quelle mutation, donc la même quelle mutation il est dans la, dans, pardon, dans la mutation il est porteur. Donc quelle mutation il est porteur, pardon. Alors, il y a ensuite une question sur l'appareillage, Sandrine, peut-être à laquelle tu voudras répondre. L'appareillage de l'enfant à partir de 8 ans ne se fait-il qu'en centre spécialisé? En qualité d'orthopédiste, je n'ai jamais eu d'enfant à prendre en charge jusqu'à ce jour. Ma plus jeune et unique patiente rencontrée ce jour à 13 ans. Alors, nous, les prises en charge et les mesures pour les bas peuvent être faites par des orthopédistes à partir qui s'intéressent au lymphodème et aux malformations. Donc, nous, il n'y a pas de contraintes. La prescription viendra de nous à la rigueur, mais si c'est nous qui les avons vues en consultation, mais le bas sera fait chez l'orthopédiste près de chez eux ou alors, enfin, qu'ils auront choisi à leur convenance à partir du moment où il sait faire pour les enfants. Donc, nous, on fait pas les bas sont faits en extérieur, hein, ils ne sont pas faits sur le centre, nous, on fait la prescription. Mais vous pouvez, si vous vous y intéressez, le faire sans souci. 13 ans, 8 ans, vous pouvez faire. Hein, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'il faut s'intéresser aux bas et au matériel rectiligne en lymphologie, même pour les enfants. C'est important parce que le circulaire n'est pas suffisant pour la prise en charge du lymphœdème, notamment si vous voulez notamment faire les orteils et traiter les orteils. Il faut mettre en place des couvre-orteils qui sont faits donc sur mesure, mais qui ne peuvent être faits qu'en tissu rectiligne. Donc, il faut vraiment s'y intéresser, quitte à se former. Notamment, les DU sont ouverts aux orthésistes. Mais la pathologie lymphatique est hyper intéressante. Donc, oui, enfin, intéressez-vous-y et vous pouvez le faire sans souci derrière. Si vous intéressez à la chose, il n'y a pas de problème. Merci pour vos réponses. Je crois qu'on n'en a plus. Je ne sais pas s'il y a des participants qui ont d'autres questions, c'est encore le moment de les envoyer. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour vos présentations et vos réponses aux questions des participants. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci à la filière et merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.